t'assure, Camille. Ces demoiselles préfèrent les amusements tranquilles dans leur maison. Madeleine, elles avaient tellement envie de faire une promenade. Si elles ne sortent jamais, elles risquent de perdre leur couleur et de tomber malades. Tu te souviens de la poupée de Sophie ? Pauvre poupée, je me souviens surtout de son enterrement. C'était une fête si amusante. C'est vrai. J'entends une voiture. Comme elle va vite. Gravement blessée. Elisa, que pouvons-nous faire? Elles ne sont peut-être qu'évanouies. Il faut les sortir de la voiture. Pauvre petite fille. Il vaut mieux ne pas la poser sur la terre humide. Auriez-vous la force de l'emporter jusqu'à votre petit banc pendant que je m'occupe de la dame? Oui. Elisa, donnez-la à nous. Nous la porterons. Madeleine, aide-moi. Je ne peux pas, Camille. Tout ce sang, je n'ai pas la force de t'aider. Ça ne fait rien. Je l'emporterai seule. Doucement. Attends, je vais t'aider. Oh, ça! Nicaise, vite, prévenez le château. Le froid, aidez-moi. Madeleine, regarde, elle n'a rien. Elle respire. Elle va ouvrir les yeux. Maman? Maman, je veux voir maman. Ta maman va venir, ma bonne petite. N'aie pas peur, reste avec nous. Non, non, je veux voir maman. Ces méchants chevaux ont emporté ma maman. Les méchants chevaux sont tombés dans un grand trou. Ils n'ont pas emporté ta maman, je t'assure. Ne pleure pas, ma petite. Je vais prendre des nouvelles de ta maman. Ah, oh, ma jambe. T'en fais pas, mon gars, on va te la remettre, ta jambe. Maman, la pauvre dame est-elle... Son cœur bat. Elle est vivante. Martin, Joseph, installez-la dans la voiture. Doucement, prenez bien soin d'elle. Antoine, cours chercher le docteur Forestier. Bien, madame. Madeleine, Elisa m'a dit qu'il y avait une petite fille. Comment va-t-elle? Elle va bien, maman. Elle n'était qu'évanouie. Fort bien. Je crains qu'elle ne s'effraie à la vue de tout ce sang. Il vaut mieux que vous la rameniez à pied au château. Oui, maman. Elisa, montez avec moi. Vous m'aiderez à soutenir cette pauvre femme. Elle a des cheveux magnifiques. Cette poupée est pour moi, vraiment? Oui, prends-la. Elle est à toi. Elle est bien jolie. Camille! Pourquoi maman ne vient-elle pas? Où est-elle? Ta maman est endormie, chère petite. On l'a emmenée au château. Nous allons t'y conduire aussi. Tu veux bien? Oui, je veux bien venir avec vous. Comment t'appelles-tu, ma chère petite? Marguerite. Et comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle maman. Mais son nom, elle a un nom, ta maman. Ah oui, elle s'appelle maman. Mais les grandes personnes ne l'appellent pas maman. Elle l'appelle madame. Mais madame qui? Non, non, pas madame qui, seulement madame. Laisse-la, Madeleine, tu vois bien qu'elle est trop petite, elle ne sait pas. Mais vous vous appelez comment? Moi c'est Camille et ma sœur Madeleine. Eh bien, vous serez mes petites mamans, maman Camille et maman Madeleine. Elle est hors de danger. Dieu soit loué. Mais elle a perdu une grande quantité de sang. Je recommande la plus grande tranquillité. Marguerite. Marguerite, ma petite fille. Entre, mon enfant, ta mère te réclame. Pauvre maman, vous avez mal à la tête? Oui, Marguerite, bien mal. Je veux rester avec vous, maman. Non, chère petite. Ta maman a besoin de repos. Embrasse-la seulement, puis tu iras jouer avec Camille et Madeleine. Sait-on le nom de cette dame?
Je crois qu'elle s'appelle de Rosebourg. C'est le nom qui est gravé sur ses malles. Fleurville, nous sommes presque arrivés. Qu'est-ce que vous marmonnez? Ne commencez pas à geindre, par pitié, vous m'exaspérez. Le château de Réan. Oui, nous sommes arrivés. Me croyez-vous donc idiote? Je le vois bien. Bonjour, madame. Mon Dieu, mademoiselle Sophie, comme je suis contente de vous revoir. Bonjour, Marthe. Bonjour, madame. Oh, mademoiselle Sophie, vous nous avez bien manqué. Comme vous avez changé, vous avez coupé vos cheveux et perdu vos belles joues, le bonheur de la Normandie va vous rendre vos couleurs. On a une toute petite mine. Ces stupides discours vont-ils bientôt prendre fin? Quel accueil! Auriez-vous l'amabilité de vous occuper de mes bagages? C'est insensé. Madame, je vous prie de m'excuser. J'avais pensé que mademoiselle Sophie souhaiterait avoir un souvenir de sa pauvre maman. J'avais fait donner des ordres, tout devait être prêt pour mon arrivée. Madame, débarrassez-moi de tout ça à l'instant. Bien, madame. Oh, oh Sophie, que faites-vous là, mademoiselle? Je vous interdis d'entrer chez moi sans y être invitée. Je vous demande pardon. Petite sotte! Quoi? Qu'est-ce que cela? Je n'ai rien demandé! C'est une petite collation pour mademoiselle Sophie. Après ce long voyage, elle doit avoir bien faim. Je vous défends de monter quoi que ce soit à cette demoiselle. Marthe, si je n'étais pas obéie, vous auriez à le regretter, entendez-vous? J'entends, madame. Quant à vous, mauvaise bête, rentrez dans votre chambre, que je ne vous vois plus! Madame, et que dois-je faire des affaires de madame de Réan? Faites-en ce que vous voulez! Que vous les donniez, les jetiez ou les brûliez, peu m'importe, pourvu que je ne les vois plus dans le château. As-tu encore faim, Marguerite? Plus du tout, Camille, je me suis régalée. Prends tout ce que tu voudras, ma petite Marguerite. Amuse-toi. Les belles poupées! En voilà une aussi grande que moi! Les beaux petits chiens! Et le joli petit cheval! Oh, les belles assiettes! Des tasses, des cuillères, une vraie petite dinette! Oh, et cette jolie petite diligence, je peux jouer avec? Quoi?
comment le froid tu m'en apportes encore? Mais mon pauvre ami, nous n'aurons jamais fait autant de confitures. Ah, quand c'est mûr, faut cueillir. Tu ne voudrais pas que je laisse souffrir les arbres? La mère Louchet m'a aidé, vu que j'ai donné un coup de main à la cueillette au château de Réan. Ah, au fait, il est à nouveau habité, le château de Réan. C'est la mère Louchet qui me l'a dit hier. Je demanderai à maman de faire mettre une autre glace. Mais si les voyageurs ont mal à la tête comme maman? Non, non, ils ont la tête trop dure. Tiens, vois-tu, les voilà tous remis et ils se portent à merveille. Chère madame de Fleur, vous êtes si bonne, si attentive. Je ne sais comment vous témoigner ma reconnaissance. J'ai l'impression d'occuper tout votre temps et de... Ne vous souciez pas de cela et guérissez vite, chère amie. Comme je t'aime. Chut, maintenant attention. Il ne faut pas faire de bruit. Enfin, vous voilà. Décrochez-le. Bien, madame. Maman, voyez qui j'ai retrouvé. Ma fille à moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. Bien sûr que je me suis ennuyée, toi, mais tu étais si loin, je ne pouvais pas venir te chercher. Si j'ai eu d'autres poupées, je t'assure que non. Là-bas dans la maison en Amérique, il n'y en avait pas. D'ailleurs, il n'y avait aucun jouet. Par ici. Voilà donc le deuxième. Décrochez-le aussi. Décrochez le portrait de ma maman. Oh non, madame, je vous en supplie, laissez-moi ma maman. Oh, ça ne finira donc jamais. Allez. Non, je ne veux pas qu'on l'enlève. Il faudra donc que je vous corrige pour être obéie. Où donc vous croyez-vous, mademoiselle? Vous imaginiez peut-être que vous feriez ici vos quatre volontés. Je vous en prie, dites-moi ce que vous allez faire des portraits de ma maman. Posez-le là, avec l'autre. Voilà, je crois, qui devrait vous aider à m'obéir et à ne plus parler de vos parents. Oh. Alors, mon ami, comment vous sentez-vous? Chaque jour un peu mieux, très chère madame. Mais voyez-vous, une chose me chagrine. Ce qui me chagrine, c'est de devoir quitter une personne qui m'a traitée avec tant d'amitié. Et pourquoi me quitteriez-vous, chère amie? Votre petite Marguerite est parfaitement heureuse avec Camille et Madeleine, qui seraient désolées, je vous assure, d'être séparées d'elle. Pourquoi ne pas rester avec nous? Mais ne serait-ce pas bien indiscret aux yeux de votre famille? Nullement. Je vis dans un grand isolement depuis la mort de mon mari. Je vous ai raconté sa fin cruelle sur un champ de bataille, et vous-même êtes sans nouvelles du vôtre depuis le naufrage du vaisseau sur lequel il naviguait. Hélas, oui. Je désespère de revoir un jour mon mari. Il a sans doute péri avec son navire.
étonnant. J'en ai l'impression. Et devinez l'étonnante nouvelle que j'allais de ce pas vous apporter. Oh, maman, ne nous faites pas languir. Dites-la nous tout de suite. Eh bien, Madame de Rosbourg et Marguerite ne nous quitteront pas comme nous le craignons. Vous voulez dire, maman, qu'elle reste vivre avec nous? Oui, Camille. Quel oui. bonheur. Quel bonheur. Je croyais que mes filles avaient une nouvelle à m'annoncer. J'aurais mal compris. Détrompez-vous, maman. Nous avions bien une nouvelle. C'est Sophie. Sophie? Sophie de Réan, maman. Elisa vient de nous dire que le château était à nouveau habité. C'est vrai, madame. La petite Sophie est revenue d'Amérique avec sa belle-mère. Maman, nous serions tellement heureuses de la revoir. Fort bien. Nous pourrions, je crois, l'inviter à goûter. Quelle bonne idée. Oui, youpi. Tu verras, Marguerite. Nous nous amuserons bien avec Sophie. Elles sont si heureuses de ne pas se quitter. Vous verrez, Camille et Madeleine s'occuperont de Marguerite comme de leur petite sœur. Oh, j'en suis convaincue. Pauvre petite Sophie. Je me demande ce qu'elle est devenue après tous ces malheurs. La petite voisine qui revient d'Amérique et dont Camille parlait à l'instant? Oui, une petite fille à peine plus âgée que Marguerite, vive, intelligente, un peu turbulente. Voilà des années que nous ne l'avons vue, la pauvre. Que lui est-il donc arrivé? Au cours d'un naufrage, elle a perdu sa mère, son cousin qui était pour elle comme un frère. Et à croire que le sort s'est acharné sur elle, son père est mort peu après le drame. Pauvre enfant. Sophie a été recueillie là-bas, en Louisiane, par la seconde épouse de son papa, une certaine Madame Ficini. Une chance pour cet enfant d'avoir trouvé une seconde maman. Elisa, va leur porter ce billet, nous les recevrons demain. Comment? Tu n'as pas assez de place? Tu te plains toujours. Regarde, il suffit de... Voilà qu'à présent tu déranges tout. Une fois en Amérique, tu m'écriras? Bien sûr, Jean. Mais je n'ai pas ton adresse. Je vais te la donner. J'ai sur moi le petit carnet que tu m'as offert. J'attendrai tes lettres avec impatience. Quelle bonne odeur! Tu ne sens pas? Marthe et Gabriel font des confitures. Hein? Que cela sent bon. C'est de la cerise, je crois. Toi aussi tu as faim, ma pauvre petite fille. Nous devrions descendre, j'ai une idée. C'est prêt. Et en voilà encore une dizaine. Elle est cuite. Madame aura sa confiture pour tout l'hiver. Miam, miam. Vite, vite, cachons-nous. Le placard. Personne n'aura l'idée de nous chercher là. Nous y serons bien tranquilles. J'ai réussi, tu as vu? Ni vu, ni connu. Dieu que c'est bon. Madame Désir? Tout de même, voilà deux fois que je vous appelle. Madame, m'excuse, j'ai aidé à la cuisine. Ah, ça suffit. Aidez-moi plutôt à ôter ce manteau. Le nœud me sert à m'étouffer. Que madame me laisse faire. Voilà, madame. Et cette somme de Sophie, l'avez-vous vue? Non, madame. Encore à manigancer un mauvais tour. Sophie! Je suis là, madame. Comment vous voilà mise? Allons, voulez-vous bien sortir, sotte créature que vous êtes, plus vite que ça? Me direz-vous ce que vous faisiez là-dedans? Ne vous avais-je pas défendu d'approcher de ce placard? Si, madame. Je vous ai déjà dit de m'appeler maman, mais vous n'en faites qu'à votre tête, petite mal élevée. Que je vous surprenne à nouveau dans ce placard, et je vous y enfermerai pendant 3 jours, sans boire ni... Une invitation, madame, qui vient du château de Fleurville. Vraiment, comme c'est aimable. Eh bien, ma fille, donnez. Voilà, madame. Bonjour, mademoiselle Sophie. Bonjour.
Comme vous avez changé, je ne vous aurais pas reconnue. Cette bonne Madame de Fleurville me convie à goûter. Nous convie à goûter. Dites à cette dame que nous répondons bien volontiers à son invitation. C'est avec plaisir que nous nous rendrons au château demain après-midi. N'avez-vous plus de langue? Est-ce ainsi que vous remerciez une personne qui a la bonté de vous inviter? Je remercie Madame de Fleurville d'avoir la bonté de m'inviter. Bravo! Voilà un compliment bien tourné, mais je crains qu'on ne puisse espérer mieux. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, madame. Marthe, dites à Simon de servir mon dîner. Bien, madame. Il faudra donc que demain je m'encombre de votre personne, petite sotte désobéissante. Montez vous coucher avant que je ne change d'avis. C'est ennuyeux d'attendre. Je voudrais tellement être déjà à demain. Bien sûr, je t'emmènerai avec moi. Tu ne voudrais pas que je t'oublie là? Et tu verras. Au château de Fleurville, il y a Camille, Madeleine. Et il y a aussi Madame de Fleurville. Madame de Fleurville. Madame de Fleurville, elle est si gentille, Madame de Fleurville.